Et on va découvrir aujourd'hui Alain Delon, professeur, dans le film qui sort à Paris et qui s'appelle justement Le Professeur. Est-ce à dire, Alain Delon, que vous allez vers une certaine forme de sagesse? Non, pas exactement. Si vous me permettez de vous parler 2 minutes du professeur, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce rôle et pourquoi j'ai tourné ce film. Le professeur, c'est le portrait d'une société décadente, c'est d'une bourgeoisie rongée par l'ennui. C'est aussi une très belle histoire d'amour, qui finira malheureusement, comme beaucoup de belles histoires d'amour, tragiquement. Mais c'est avant tout l'histoire d'un homme. Et c'est l'histoire d'un homme, mal dans son temps, mal dans son époque, bref, mal dans sa peau. Mais c'est l'histoire d'un homme avec le portrait d'un homme avec toutes ses qualités, avec tous ses défauts. C'est un homme qui joue, c'est un homme qui boit, c'est un homme qui aime, qui souffre et qui meurt. Donc si vous voulez, en réponse à votre question, de savoir si je tendais vers des rôles de sagesse, je crois que c'est plutôt tendre vers des rôles d'une composition différente en ce qui me concerne. J'ai fait, comme vous l'avez dit, beaucoup de gangsters, même des policiers. C'est un peu, si vous voulez, pour échapper à la facilité. Écoutez, si vous voulez, on va regarder tout de suite un extrait de ce film, Le Professeur. Le film a été tourné en Italie, dans les environs de Turin, et c'est, mais les Français y sont habitués, une coproduction franco-italienne. Abati. Oui. Viens ici. Le professeur Mariano vous laisse à vos places pour vous interroger? Oui, comme tous les autres professeurs. Ça te gêne d'être ici? Non, ça m'est égal. Quel âge as-tu? 19 ans, presque 20. Tu as été souvent absente. Est-ce que c'est voulu? Quelquefois. Tes parents s'en fichent que tu manques régulièrement? Je n'ai plus que ma mère, et elle, ça lui est égal. Tu as des frères, des sœurs? Une sœur, mais elle est mariée. Elle vit pas avec nous. Et tu le regrettes? Oui. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire à l'université? Rien. Je suis même pas sûre de vouloir finir l'année ici. Ce serait dommage de renoncer, il te reste plus que quelques mois. Qu'est-ce que tu comptes faire après? M'en aller à l'étranger. Pour y faire quoi? N'importe quoi. Tu n'as pas mal commencé le trimestre? Tu aimes la littérature? Assez, oui. Ô sommeil, oui de la douce et moite et ombreuse nuit, enfant paisible. Ô des faibles mortels, le réconfort, l'oubli serein des malédictions qui rendent la vie si âpre et si morne. Je ne te demande pas de qui c'est, mais seulement si ça te plaît. Oui. Maintenant, essaie de me donner un nom ou une époque. Léopardi. 300 ans plus tôt. Mais tu as quand même de l'oreille. Félicitations. Est-ce que tu lis beaucoup? Non. J'ai vu que tu t'es réinscrite après une absence de 2 ans. Tu étais malade? Autant que vous le sachiez, je ne suis pas très patient. Tu vas souvent au cinéma? Tous les jours. Qu'est-ce que tu aimes? Quel genre de film? Ceux qui me font rire. Et qu'est-ce qui t'intéresse d'autre dans la vie? Les voitures de course. À la porte. Mais pourquoi? Même si je ne le sais pas encore, toi, tu sais très bien pourquoi. En quoi? J'y comprends rien. Oh que si, tu comprends. Allez, sors, ne m'oblige pas à me mettre en colère. Toi, retourne à ta place.